Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2019-2020 avec notre back to stable comme on dit. L'été, tous les chevaux du club partent un peu plus d'un mois dans un énorme pré pour leurs vacances et je vais vous montrer comment s'est passé le retour à l'écurie et la préparation de la rentrée. Donc avant d'aller chercher les chevaux, je vous ai fait quelques plans du centre équestre vide comme vous pouvez voir et j'ai fait aussi mes cuirs, donc Charlotte et Hélène si vous passez par là, merci encore de m'avoir aidé. Et ensuite on est allé chercher tous les chevaux, le jour même on leur a fait leurs soins et les jours suivants on a essayé de les remettre en route tranquillement avec des petits programmes pour travailler leurs muscles, leur cardio, etc. progressivement. Donc j'espère que tout ça va vous plaire, bon visionnage! Wesh bien, c'est le jour 2. Donc ce matin, les chevaux ont vu le maréchal. Après, on va les longer. Lucie va longer Hugo. Je vais longer Videl. Mais là qu'on va courir dans la carrière comme des fous. Donc on va les longer pour qu'ils se remettent en route tranquille et puis pour voir s'ils sont droits, enfin s'ils boitent pas. C'est parti, allons-y. Hein. Donc là, je viens de finir le pansage de Videl, donc j'ai juste passé un coup de magic brush et de bouchon. J'ai mis du démêlant, je vais démêler sa queue. Donc le démêlant, toujours de chez Biogance. Et je vais faire ses pieds aussi avec les produits Uncle Naturalist. Ah, mais d'ailleurs, avec Biogance, vous avez un code promo, c'est Partner20, qui vous donne moins 20% sur tous leurs produits, de toute leur gamme équinade. Donc ils sont des produits d'origine bio fabriqués en France. Je vais aussi mettre un petit coup de vaseline sur son nez parce qu'il a pris un coup de soleil. Je vais faire le soin de son œil qui coule et après on sera bon pour les soins. Voilà. Comme vous le savez sûrement, Videl est aveugle de l'œil gauche. Il a eu un espèce de glaucome, du coup son œil coule encore souvent. Donc pour le nettoyer, je mets simplement du sérum physiologique. Et bon, normalement c'est des compresses, mais là on n'en a plus, donc un petit mouchoir. Il aime pas beaucoup ça, donc... Là pour ces petits coups de soleil sur le bout du nez, je mets de la vaseline. Donc encore une fois, Videl n'aime pas du tout tout ce qui est soins médicaux. C'est pour ça que aussi Videl tire au renard. Là on fait genre il est attaché et tout pour que dans son mental il soit attaché, mais en fait s'il tire il est parti. Hein. Voilà. Une girafe. Une anguille. Je te jure. C'est bon, on a fini. À demain.
on se retrouve pour le jour 3. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire l'intro plus tôt. Là, il est déjà midi 40. Donc ce matin, on a monté les chevaux en trotting pour qu'ils reprennent en endurance, en cardio et en muscle aussi. Voilà, donc j'ai monté Videl et Mephisto qui étaient très bien. Du coup, là, j'ai fait tous ses soins, etc. Il est au box, il est en train de manger. Et là, je vais ranger mon casier. J'ai tout ça à ranger dedans. C'est parti. Et voilà ce que ça rend. Donc vous êtes plein à me demander de faire genre des céleri tours ou quoi, mais moi j'ai pas de céleri, j'ai qu'un casier. Il est pas non plus hyper balèze quoi, donc je pense que je vous ferai jamais de vidéo dédiée à ça. Mais par contre je vais vous faire une petite visite là vite fait. Ici on a mon premier brison avec des rênes allemandes que j'utilise plus du tout. Là c'est mon loup de colle. On a mon deuxième bridon, donc celui que j'utilise actuellement. Là on a une selle, enfin ma selle, mais en fait c'est une collègue de mon père qui l'avait et qui savait pas quoi en faire, donc elle me l'a passée. Faudrait que je l'essaye une fois à cheval, mais franchement bon, je sais pas trop si ça va bien lui aller. Ensuite ici on a un sac un peu fourre-tout où je mets toutes les protèques. Là c'est un sac, c'est le sac principal où il y a un peu toutes mes affaires quoi. Ici on a les étriers pour aller avec la selle. Là on a mes boots et là c'est tous les produits de soins. Et puis ensuite là on a tous mes autres tapis. J'ai mis juste mon amortisseur et mon tapis Dion dedans puisque c'est ceux que j'utilise le plus. Donc maintenant c'est bon, vous avez vu mon casier puisque vous êtes tout le temps à plein à me demander de faire une visite de mon casier. Donc c'est chose faite. Pour cette petite partie de vidéo que je vais commenter. Donc comme vous avez pu le voir, je suis descendue de cheval parce que pour tout vous dire, le travail à pied m'avait autant manqué que le travail monté. J'ai quand même voulu que Videl se défoule un peu, donc je l'ai longé vite fait aux deux mains, aux trois allures. Et puis ensuite je l'ai lâché en liberté dans la carrière, mais comme vous pouvez le voir, il revenait tout le temps parce qu'en fait tout ce qu'il veut lui c'est des câlins et des gratouilles. Et moi j'adore ça aussi, donc ça tombe bien. Donc, comme vous le voyez, il en redemandait de lui-même. Bon là il a un petit peu pris mon espace personnel, mais comme c'est de l'œil où il est aveugle, je lui en veux pas. Enfin bref, tout ça pour commenter ce petit moment d'amour, mais je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo où je vais parler en direct. On se retrouve du coup après la séance de travail. J'ai laissé Videl manger dans son box tranquille et du coup là je suis retournée au casier, j'ai remis mes affaires, genre les tapis et tout, et j'ai pris les produits de soins pour aller faire ces soins. À force je pense que vous les connaissez par cœur maintenant. Pour les pieds c'est toujours une Gueule Naturaliste, et après je prends le gel rafraîchissant de chez Equinat. Je prends aussi le démêlant de chez Equinat. Je vais retourner voir Videl s'il a fini de manger, puis je vais lui faire ses petits soins. Je pense que c'est le moment de vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.